Eh bien, bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs, chères auditrices. Comme convenu, je suis très heureux ce soir pour la première de ce talk de recevoir mes amis, mes invités. Donc, à ma gauche, je partirai, je commencerai par André Lagarde. Bonsoir, André. Bonsoir. Colette Philippe. Bonsoir. Yves Rollier. Bonsoir. Et Alain Pechant. Voilà, donc Bonsoir. très heureux, messieurs, mesdames, de de redémarrer ce talk. On a eu, à cause de la pandémie, des soucis d'émission et ça nous a permis de nous recentrer et de pouvoir effectivement lancer cette web TV à Civoyeaux-d'Azergues dans des locaux dignes de ce nom. Et nous sommes très très heureux ce soir de lancer cette première émission du talk. Vous allez retrouver quelques petites émissions que nous avions en audio, mais en tout cas, il y aura quelques modifications et au fur et à mesure des mois, des émissions supplémentaires. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, puisque notre talk sera tous les 15 jours, hein, donc à la même heure. Bimensuel. Bimensuel. Merci, André. Donc, pardon. D'accord. Alors, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Il y a eu une petite coupure. C'est pas grave. Alors, André, tu as la parole sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques derniers Ces jours. derniers jours, à Marcilly-d'Azergues, pas grand-chose, mis à part un alvinage qui a été réalisé par les membres de l'APPMA de Chazay, Marcilly, Civrieux-les-Chères, dans la rivière Azergues et dans le plan d'eau de Civrieux-d'Azergues et de l'Échère. Des poissons blancs ont été mis, donc des gardons de 1 et 2 étés, des carnassiers, du black bass. Cette année, il n'y aura pas de perches car les perches, tous les 3-4 ans, sont introuvables. Il n'y en a pas. Et il y a D'accord. surtout été mis dans la rivière Azergues des goujons pour justement changer un petit peu le sang, redonner du sang neuf pour les goujons qui prennent que à partir du mois de juillet, août surtout, mais il faut le penser à l'avance. Donc il a été mis 30 kilos de goujons et en tout, c'est plus de 500 kilos de poissons qui ont été mis, du black bass et tout. Par contre, un alvinage en truite est prévu pour un petit peu avant l'ouverture de Exact. 300 kilos de truites. Voilà, qui seront mis, bien entendu, dans la rivière Azergues. Voilà pour l'instant ce qui s'est passé, car vu avec le Covid, beaucoup de choses sont supprimées et sont mises en stand-by pour l'instant. Alors évidemment, Colette, hein, nos auditeurs sont bien au fin de la situation. André n'avait pas, bien sûr, grand-chose de programmé ni de prévu, puisqu'à Marseille, comme dans le secteur, c'est un petit peu en stand-by, mais on a bon espoir, ça va repartir, ça va repartir. Colette, je crois que tu avais des choses à nous Bon, dire, j'ai des toi. choses à dire, notamment sur Dommartin. À Dommartin, la commune a reçu une récompense qui s'appelle Happy Cité. Et Happy Cité récompense les gens qui se sont occupés des abeilles et des pollinisateurs. On en reparlera ultérieurement parce que ça mérite un vrai développement. Hein. C'est très Alors, intéressant. Colette, Et moi, ce que je voulais dire aussi, la deuxième chose, si on a le temps, mais j'irai on extrêmement aura le vite, temps. c'est je vous emmènerai bien à l'Échère. Je vais vous emmener à l'Échère parce que vous allez trouver au centre du village une église que vous connaissez peut-être. Et cette église était Ouais. auparavant une chapelle. Cette chapelle date du XIIIe siècle. L'église a été refaite au XVIe siècle et elle a acquis une grande importance. À ce moment-là, elle a acquis beaucoup d'importance, très probablement à cause de la peste. Et vous voyez le lien avec ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas qu'on ait la peste, mais il y a une Ouais, pandémie et ouais, une ouais, ouais, épidémie. ouais, d'accord. Voilà. Et cette église est dédiée au saint intercesseur de la peste qui s'appelle Saint-Roch. Et si vous êtes du Beaujolais, il ne faut pas dire Saint-Roch, il faut dire Saint-Roch avec un O bien fermé. Bref, moi je ne suis pas du Beaujolais, donc je dirais Saint-Roch. Je conseille aux gens de lire un livre que moi je juge remarquable de Daniel Rosetta aux éditions du Poutan, qui est l'histoire du Beaujolais. Et là, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur notre région. Et un chapitre notamment est consacré à la peste.
Alors, simplement parce qu'il faut aller vite, cette peste a fait son apparition dans le Beaujolais en 1348. Et puis, elle est revenue très, très brutalement à intervalles réguliers. Mais en 1564, on a compté 2000 décès sur un territoire qui comptait 4000 habitants. C'est dire que c'était effroyable. Et à ce moment-là, ce que j'ai lu aussi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'il y avait déjà, mais pour les gens nantis, des gestes barrières. Et notamment, à l'église, les gens, les familles étaient regroupées et on laissait un certain espace entre les familles qui assistaient à la messe. Les gens qui étaient nantis pouvaient aller à la campagne et on avait un certificat médical, c'est pas le terme qu'on employait, qui était signé par, je vous le donne en mille, par le curé. C'était la seule personne qui peut-être était à même d'écrire. Et puis, durant ce fléau, donc, on honorait Saint-Roch. Je vais aller très vite. Saint-Roch a donc sa statue, si vous entrez, qui est de l'échelle, connaît peut-être, une statue du 16e, du 16e siècle. Oui, et cette statue, elle est en bois doré. Oui. Et elle représente la statue de Saint-Roch comme on la trouve dans à peu près partout, à savoir Saint-Roch est représenté comme un pèlerin. Il porte un grand chapeau, parce que c'était des chapeaux que portaient les voyageurs. Et il a un manteau, aussi manteau du pèlerin, ça te rappelle quelque chose. Il a une barbe, parce que la barbe, c'est aussi le signe distinctif du voyageur. Et il montre un bubon pesteux sur sa cuisse. Et ce bubon pesteux, eh bien, est sa caractéristique. Alors, pourquoi il est accompagné d'un chien? Il est accompagné d'un chien pour l'excellente raison qu'il est allé dans l'Italie qui était effroyablement marquée par ce fléau. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a aidé les gens malades. Il les a soignés. Et puis, évidemment, avec l'intercession divine, il a dû en guérir quelques-uns. Enfin, je ne sais pas. Toujours est-il que lui aussi, il a attrapé la peste et il a dû fuir ou se cacher dans une forêt. Et là, n'ayant pas à manger, il a obtenu de quoi se nourrir par le biais d'un chien qui allait chaparder dans les maisons voisines. Et donc, c'est pour cette raison que lorsque vous voyez une statue de Saint-Roch, il y a toujours un chien à ses côtés. Et il y a également un ange. Voilà. On ne va pas aller au-delà, mais je vais quand même terminer sur les chairs. André se rappelle aussi que sa maman le lui a dit, qu'avant-guerre et après-guerre, ce n'était pas vraiment les humains qu'on protégeait, c'était les animaux. On protégeait les paysans des épizooties, des maladies qui touchaient les animaux. Et on mélangeait un petit peu la religion, les maladies des animaux, et on allait faire des pèlerinages. On venait de tout le secteur, c'est toi, tu sais mieux que moi. Oui, c'était surtout de Chasselet, puisque les Chères n'étaient pas une commune, et tous les ans, pour la Saint-Roch, le prêtre de Chasselet descendait à pied, et plein de gens le suivaient, et il célébrait la messe à les Chères, à la chapelle, ça. Et il faut dire aussi que le chien, ça, moi j'ai toujours entendu dire par ma famille, par mes parents, puisque moi mes parents étaient originaires des Chères, que le chien léchait tout le temps ses plaies. Ses plaies, oui, d'accord. Alors, mais bon. Il est le patron des chirurgiens, je termine là, des chirurgiens, des ouvriers de la pierre, des gens de la terre, des boulangers, des tanneurs et des maîtres chiens, et aussi, alors là les bras m'en sont tombés, des punks. À suivre. Voilà. Merci beaucoup, Colette. Alors, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas ce qui s'est passé depuis 15 jours, parce que comme il ne se passe rien avec le Covid, on a meublé cette émission. Alors, merci, Colette, en tout cas. Et pour la prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours, tu auras j'espère que la vie va reprendre progressivement et qu'on aura quelques actualités. En tout cas, Elle ne s'est pas vraiment arrêtée. Je souhaite accueillir, comme je l'ai dit tout à l'heure, Yves Rollier, notre chroniqueur sportif. Yves, tu as la parole. Merci à toi. Bonjour. Tu veux que je parle de ce qui s'est passé Est-ce que tu peux avoir à nous dire? Voilà, c'est pareil que les autres chroniqueurs. On n'a malheureusement pas beaucoup, mais en sport peut-être, oui.
notamment en sport. Nos amis de l'OL. Oui, oui. Alors, j'avais prévu un petit truc. Je disais bonjour à tous et content de vous retrouver. Mais pas facile de faire le bilan de ces deux dernières années. Mais j'ai choisi quand même les résultats importants. Pour le sport, et excusez-moi si j'en ai oublié, en premier lieu, les Jeux Olympiques de Tokyo, qui devaient se dérouler en 2020 et qui se sont déroulés en 2021, où la France a marqué les Jeux en hand, en volley, en basket, en rugby féminin, en judo. Donc on était bien représentés. Il y a eu le foot à l'Euro. La France a été éliminée en 8e, mais on a vu le retour de Karim Benzema. En cycliste, Alaphilippe a gardé son maillot de champion du monde. Hamilton et Verstappen se tirent la bourre en championnat du monde. Messi arrive à Paris. Sur le plan régional, OL s'est qualifié pour la Ligue Europa. Un début d'année difficile, très difficile. Les supporters seraient-ils devenus fous à Nice, à Montpellier, à Lyon, à Paris? Messieurs, il faudrait que vous redescendiez sur terre pour le bien-être du football. Sur notre coin à présent, bon, l'USA Basket compte toujours 200 licenciés, une équipe qui est en entente Chazet-Lisieux et qui joue en championnat régional. Le foot en district du Rhône. Alors, s'il te plaît, une petite aparté sur le basket. Je diffusais en direct sur nos ondes le match de basket il y a quelques semaines de ça. Ouais. Et il y a eu un très grave accident. Est-ce que tu as des nouvelles du jeune? Oui, oui, il va mieux. D'accord. Il a eu une fracture ouverte assez grave avec interruption du match et c'était tout. Oui, c'est vrai. Nous étions en direct et nous avons pu donner des nouvelles. Alors, pour nos auditeurs, le jeune va mieux. Merci, merci Yves. Le foot en district du Rhône, bon, continue. Le badminton et le tennis de top continue. Le futsal de Civrieux marche très bien. Ouais. Donc, j'ai des résultats. Je vais vous les communiquer comme ça. Senior 1, Saint-Étienne contre Saint-Étienne-Civrieux a gagné 13-3. En Senior 2 contre Sud-Azergues, Civrieux a gagné 4-2. En futsal, ce soir, l'équipe féminine jouera contre le Moulin-Vent. Voilà. Alors, je peux me permettre de te couper. Tu seras présent. Radio Val d'Azergues donc, sera ce soir sur le terrain parce que c'est un événement. C'est un événement. Vite, très rapidement, pour nos auditeurs, ce sont une bande de copines, de mamans, de mamans et de femmes de joueurs qui touchaient du blabal à la mi-temps et qui ont eu envie de jouer, ça leur a donné envie. Elles se sont entraînées avec le coach et puis elles ont dit, tiens, si on pouvait faire un championnat loisir l'année prochaine, le FSCA les a inscrits en championnat loisir et du coup, le district vient de lancer, et c'est le premier match ce soir dans tout le district, vient de lancer un championnat de football féminin. Tu seras là. Je serai là. Bon, voilà. En hand, l'équipe 1 de Civrieux a gagné 32-20 à Châtillon et va bientôt recevoir le Loup et Mermoz la semaine prochaine. D'accord. Il y a eu les 9 clochers. Tout à fait. Je veux dire un tout petit mot, les 9 clochers, ça s'est très bien passé. Ouais, 1100 coureurs. Malgré le Covid, on espère que la 28e édition sera encore un plus grand succès. Tout à fait. Voilà pour le sport, content de vous avoir retrouvé et je vous dis à bientôt. Ok, merci. Merci beaucoup Yves pour cette édition sportive. Maintenant, on va donner la parole à Alain. Alors Alain qui va nous parler de petites choses qui se sont passées. Je tenais à signaler à l'antenne que, pour ceux qui avaient l'habitude antérieurement d'entendre Alain dans son coup de gueule, Alain sera à l'antenne la semaine prochaine. Donc, mais pour le coup de gueule. Mais là, on t'écoute pour ce qui s'est passé, bien sûr. Il ne s'est pas passé grand-chose dans toutes nos communes. Je m'occupe de Civrieux, de Chasselet et de Marcilly. Donc, rien à signaler. Toutefois, j'ai toujours une critique à faire, c'est que les sites des communes ne sont absolument pas renseignés. C'est lamentable. Donc, comment peut-on faire s'il se passe quelque chose? On ne peut pas non plus les traîner dans les rues à chaque fois pour avoir des informations. Ça, c'est une critique. La critique l'année dernière, je l'avais déjà faite. Je recommence cette année. Renseignez vos sites. Sinon, comment voulez-vous qu'on parle de vous? Voilà. Alors, à Civrieux, pour l'instant, c'est le panneau pocket qui fonctionne. Je ne sais pas dans les autres communes, mais voilà, panneau pocket, les infos. À l'échelle, le site a été refait. Voilà, et Civrieux, hier soir, il y a eu une annonce qui a été faite. C'est incessamment sous peu, tu auras le site de Civrieux. Bon, c'est bien. Bon, sinon, après, j'aurai un petit coup de gueule, mais je ne sais pas si on le fait maintenant ou si on le fait après.
Alors, merci, merci beaucoup, chers amis. On va faire une petite pause parce que nous avons une nouvelle rubrique avec notre amie Chloé et on va lancer le jingle. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mon double. Tu es mon double et tu me troubles. Tu es là quand ça ne va pas. Tu me comprends, toi, tu es comme moi. Tu m'écoutes, toi, tu me regardes, toi. Tu me reflètes, tu me complètes. Tu me connais, moi, comme je te connais, toi. Tu es mon double et tu me troubles. Si tu es là, je serai là. Si tu t'ennuies, si tu m'oublies, je t'amuserai et te rappellerai. Nos joies passées et nos rêves laissés, ce que nous avons vécu, car sans toi, je suis perdue. Tu es mon double et tu me troubles. Promets-moi de rester là, car si tu vas loin, je ne suis plus rien. Juste quand tu me regardes et me souris, mon cœur de joie se retrouve envahi. Je suis vide sans toi. Je n'ai plus de vie sans toi. Je n'ai plus d'avenir, plus de souvenirs. Tu es mon double et tu me troubles. Mais rien ne nous séparera. Nous serons toujours là. Ensemble, pour battre l'infini, car avec toi tout est permis. Nous irons gravir des montagnes et découvrir les fonds abyssales. Nous irons tous les deux nous faire tatouer un gros cœur pour nous représenter. Car je t'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Tu es mon double et tu me troubles. Je me sens vide, comme un creux dans ma poitrine. Quand je me balade dans ma ville, je vois le temps qui défile, mais mon temps est comme arrêté, et ma vie totalement bloquée. Je t'ai vu partir, et j'ai essayé de te retenir. Finalement, tu m'as poignardé, et seul dans ma douleur, tu m'as laissé. Tu étais mon double, et maintenant ma vue se trouble. Eh bien, merci beaucoup, Chloé, pour ce premier poème à l'antenne. Donc, on attend évidemment beaucoup de nouveaux poèmes à chaque émission. Donc, chers amis éditeurs, si vous aimez les poèmes de Chloé, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre site. Donc, voilà. Alors, bon, ben, pour moi, en tout cas, pour ce talk, l'heure est venue de vous dire au revoir pour cette semaine. Un talk réduit, pour des raisons que tout le monde connaît. Merci, en tout cas, à tous les intervenants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons donc rendez-vous tous les mercredis à 19h pour le traditionnel coup de gueule de notre ami Yves, qui va... Alain, excuse-moi. C'est pas grave. Alain Pechant, qui aura sa propre émission le mercredi à 19h. Vous aurez droit à son coup de gueule. Je sais que ça manque à beaucoup d'entre vous. Voilà. Et puis, vendredi prochain, une surprise, à la même heure, à 19h, une interview exclusive, dont je ne dévoile pas pour l'instant l'intervenant. Vous aurez dans la semaine quelques informations concernant notre émission de vendredi. Et on se retrouve, quant à nous, au Talk, dans 2 semaines, à la même heure et au même endroit. Merci, merci beaucoup, chers amis. Je rends l'antenne. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Bonsoir.